qu'on ne se pose même pas la question de comment faire mieux plus vite pour le climat. On embrasse cette cause au même titre que n'importe quelle cause économique. Alors, je pense que la question de se nourrir différemment aujourd'hui, c'est même plus une question, c'est une réalité. Et ce qu'il nous faut trouver, c'est des moyens d'accélérer cette transformation vers une nouvelle alimentation. Donc, quand on est une entreprise française comme Bonduelle, qui depuis 7 générations travaille dans les champs avec les producteurs et fait du légume sa cause principale, on ne pouvait pas échapper à cet événement-là. Quand on se rappelle quand même que l'humanité se nourrit avec 12 espèces de plantes et 5 espèces animales, quand on se rappelle aussi qu'un Français passe en moyenne 30 minutes dans sa cuisine pour cuisiner, et que 20% des Français ne passent qu'une heure par semaine à cuisiner, ben on se dit qu'on a vraiment un rôle à jouer dans comment accompagner tous ces gens vers une assiette différente de celle qu'ils ont aujourd'hui. Et vraiment, le message que Bonduelle veut faire passer, c'est que bien manger aujourd'hui, c'est manger plus flexitarien, c'est manger plus sain, c'est manger moins transformé, c'est manger local et c'est aussi manger avec plaisir. Et c'est vraiment cette composante-là qu'on essaie aussi de travailler, nous, pour apporter ce plaisir dans l'assiette avec plein de goûts, plein de textures et des nouvelles saveurs que les gens peuvent découvrir. La question de faire cohabiter la performance économique et la performance environnementale, elle est toujours au cœur des débats. Chez Bonduelle, elle ne l'est pas. Et je pense que le meilleur conseil, ou en tout cas la meilleure réalité, c'est de vraiment d'embrasser ces deux causes en même temps et de mettre l'impact au cœur du modèle d'affaires. Et c'est ce qu'on fait, nous, chez Bonduelle, puisque tous les jours, on travaille avec les aléas du climat, la pluie, la chaleur, le froid dans les champs. Et en fait, ça fait complètement partie de la stratégie et du modèle d'affaires de l'entreprise. Donc, on ne se pose même pas la question de comment faire mieux plus vite pour le climat. On embrasse cette cause au même titre que n'importe quelle cause économique et on mesure nos performances financières et extra-financières avec le même niveau d'implication et d'ambition.